Déménager au Canada, faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Ça, c'est un sujet très important. Si tu es sur le point d'immigrer au Canada ou que tu viens même d'arriver au Canada et que tu te demandes est-ce qu'il vaut mieux acheter mon logement ou même louer mon logement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et aussi, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. N'oublie pas de laisser un commentaire car ça fera justement l'objet d'une prochaine vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass totalement ouverte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier, que ce soit en France, au Canada et partout ailleurs dans le monde. Dans cette vidéo, je me retrouve à Douala au Cameroun où je suis là pour plusieurs mois afin de notamment de développer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et aussi du business en ligne. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler justement du Canada. Si tu es sur le point de déménager au Canada, écoute bien cette vidéo. Pour ma part, je suis arrivé au Canada le 20 août 2016 et je me suis tout de suite lancé dans l'investissement immobilier. Et je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier en seulement 3 ans et ce, avant mes 30 ans. Dans cette vidéo, je vais te parler justement de ce qu'il faut faire et de l'erreur à ne pas commettre comme bon nombre d'expatriés, d'immigrants au Canada. C'est tout simplement déjà tout vendre dans le pays dans lequel tu habites. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu habites en France, au Sénégal, aux États-Unis, en Angleterre et que tu souhaites immigrer au Canada, que de tout vendre, c'est-à-dire vendre ta maison, vendre ta voiture, bon, ta voiture tu peux la vendre, mais tous tes biens immobiliers, garde-les, mets-les en location. Comme ça va t'assurer un revenu récurrent, ça va t'assurer justement de constituer un patrimoine que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants plus tard. Et aussi, on sait jamais, si jamais ton expatriation se passe mal, tu auras toujours un toit où dormir. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai quitté la France, que de vendre ma résidence principale, je l'ai mise en location, j'ai toujours cette résidence principale. Pour te donner quelques chiffres, ça me rapporte en termes de cash flow, bien évidemment, ça me rapporte à peu près 150 euros par mois sans rien faire. Il y a un locataire dedans qui est là depuis que je suis parti du coup. Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Donc, quand je vois des familles qui vendent leur maison, ils mettent le chien, tout, la voiture dans le conteneur et qui partent comme ça, c'est très risqué parce que si ça se passe mal, vous n'aurez plus rien. Donc, et ça peut mal se passer rien qu'à cause d'un visa, pour vous dire. Donc, clairement, déjà, je te conseille de mettre tes biens en location. Maintenant, arriver au Canada, que faire? Louer ou acheter? Tout dépend de ton objectif, bien évidemment. Sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Comment se bâtir un patrimoine? Comment se générer des revenus complémentaires? Comment potentiellement, pour les plus motivés, atteindre la liberté financière? De manière générale, la résidence principale, ce n'est pas une bonne option. C'est-à-dire acheter sa résidence principale, ce n'est pas forcément une bonne option. Si tu es en mode investissement, si justement tu souhaites atteindre les paliers que je viens de te mentionner, il va falloir investir. Et lorsque tu es investisseur, le mieux c'est d'être locataire. Parce que être locataire, bien évidemment, ça te coûte, dépendamment des villes, mais ça te coûte moins cher qu'être propriétaire. Parce que ton reste à vivre va être plus élevé. Tu ne vas pas payer les taxes d'habitation, les taxes foncières et que sais-je. Donc, dis-toi, il vaut mieux diminuer le coût que ça me coûte pour vivre, notamment via la location. Et en parallèle, investir en immobilier. Tu peux investir un bien par exemple tous les 2 ans. Ça fait qu'en 10 ans, tu vas avoir 5 biens immobiliers. Si par exemple, tu achètes des biens aux alentours de 200 000, en 10 ans, tu as un parc immobilier d'un million. Si après, tu souhaites justement acheter ta résidence principale, tu vas pouvoir vendre 2, 3 biens maximum, récupérer de l'argent. Donc, ça va quand même être un gros capital, en plus la plus-value, et t'acheter ta résidence principale limite cash. C'est comme ça que tu dois procéder si tu souhaites justement immigrer au Canada afin justement potentiellement de te bâtir un parc immobilier. Car je te jure, bon nombre de personnes arrivent et se disent « Ok, on peut acheter une maison à 500 000 $ boum, elles achètent la maison à 500 000 $ et après c'est des problèmes parce qu'elles n'ont même pas calculé de savoir si cet achat est rentable ou pas. C'est ce qu'on voit dans la masterclass dont je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Elles ne se posent pas la question de savoir si demain je quitte le Canada, qu'est-ce que je fais de ce logement? Est-ce que je vais le revendre avec une plus-value? Est-ce que si je quitte le Canada,
je peux le louer et toucher des revenus pour que potentiellement mes enfants peut-être récupèrent la maison lorsqu'ils seront étudiants. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai acheté des propriétés au Canada. Pour le moment, je suis locataire. Hein. Je ne suis même pas encore propriétaire de ma résidence principale. Mais je me suis dit, ok, bah, même si demain j'achète ma résidence principale, ma maison par exemple, ce que je suis en train de vouloir faire dans les mois qui vont venir, est-ce que si je loue cette maison, est-ce que je vais être rentable? Est-ce que si je vends cette maison, est-ce que je vais être rentable? Et tu vois, ça te permet d'être plus flexible. Ça ne te met pas la corde au cou et de devenir un vendeur motivé comme on le cherche pour tout simplement bah, te retrouver à brader la maison. Demain, par exemple, si j'ai une maison, qu'est-ce que je vais me dire au même titre que ma résidence principale en France que j'avais? Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, bon, voilà, je peux la mettre en location, je vais toucher tant. Si je la revends, je vais toucher tant. Et ça me permet derrière de partir tranquillement vers une nouvelle destination. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu es justement dans cette démarche de déménagement, d'immigration, je t'invite à nous poser des questions dans les commentaires. On a la plus grosse communauté d'expatriés au Canada, d'immigrants au Canada et surtout d'investisseurs à haut rendement à l'international. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Google Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt.